monde, j'espère que vous allez bien. Je suis vraiment hyper contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Ça fait maintenant plusieurs semaines, voire plusieurs mois que je reçois des messages tous les jours concernant la vidéo des fournitures scolaires d'une maîtresse de l'année dernière. Et vous avez été énormément à me redemander une seconde édition, entre guillemets, pour cette année. Donc si ça vous intéresse de voir mes fournitures scolaires de maîtresse pour cette année 2018-2019, je vous laisse regarder la suite de la vidéo. J'ai tout regroupé dans un énorme sac Carrefour qui est, mon dieu, trop lourd. Les premières choses que j'ai achetées, ce sont trois pochettes lutins, donc une jaune, une rouge et une noire, en fait pour les trois classes que j'ai cette année. Ah oui, du coup, avant de continuer cette vidéo, je sais que je vais avoir la question dans les commentaires, donc je préfère le dire maintenant. Pour cette année, du coup, j'ai trois postes composés, comme l'année dernière en fait, sauf que l'année passée c'était en maternelle, et cette année c'est plutôt en élémentaire, donc je me trouve avec trois classes, une grande section CP, CPCE1 et CE1-CE2, du coup ça regroupe un peu plutôt du cycle 2 plus la grande section, donc de manière générale je suis très très contente du niveau. Et c'est pour ça au final que j'ai trois pochettes, une pour chaque classe, je trouve ça beaucoup plus pratique en tout cas pour moi. Et concernant les prix, j'avoue que j'ai pas gardé le ticket de caisse pour ça, mais je crois que c'était aux alentours de 5 € la pochette. On passe à un indispensable pour moi en tant que prof des écoles, je vous l'avais déjà présenté l'année dernière et je l'aime tellement que je le reprends tous les ans. C'est l'agenda Le Professeur de chez Covadis que j'ai toujours à Bureau Vallée et qui coûte 14,90 € si je me trompe pas, enfin quasi 15 €. Je le trouve vraiment super cool et voilà, je le conseille à tous les profs. Ensuite j'ai des petites fournitures, là rien d'intéressant, du type colle, voilà, moi j'aime bien la UU parce que je trouve qu'elle colle super bien par rapport aux autres qui sont pas forcément, enfin qui collent pas très bien. J'ai pris aussi des mini stylos correcteurs comme ça et voilà, il y a déjà un trou parce que je m'en sers tellement, j'avoue qu'il y en a déjà un qui est dans ma trousse. Donc voilà, après rien d'exceptionnel, du blanco on en a toujours besoin. Je me suis pris aussi un petit cahier comme ça de chez Action que j'aime beaucoup. J'en cherchais un avec des carreaux, vous savez, des grands carreaux et pas des tout petits parce qu'en général c'est souvent ça qu'on trouve. Et je le trouvais vraiment bien parce que déjà il coûte vraiment pas cher, je crois que je l'ai payé 1 ou 2 €, donc vraiment que dalle. Et en plus à l'intérieur vous avez des petits intercalaires que vous pouvez les tirer et les mettre où vous voulez dans le cahier, donc ça je trouve que c'est vraiment super ingénieux. Donc c'est vraiment pratique en fait, vous pouvez mettre vos intercalaires où vous voulez, vous créez vos propres parties. Et en plus j'ai envie de vous dire, un petit cahier comme ça, moi j'en ai toujours besoin parce que je note un petit peu tout et n'importe quoi pour ma classe et tout ça. Donc voilà, il va finir dans mon sac et j'ai envie de vous dire pour 1 ou 2 €, et ben écoutez c'est très bien. Je me suis pris aussi des pochettes cartonnées, voilà, que j'ai payé 2,99 € les 8. Donc là, rien d'exceptionnel, j'en ai toujours besoin. Pareil, je trie énormément de choses selon les niveaux, selon plein de trucs. Je trouve qu'on a toujours besoin de ce genre de pochettes pour trier, autant pour moi l'école, pour la maison. Enfin, je trouve que c'est très très pratique. Ensuite, je me suis pris un classeur Oxford rose, comme ça, je dirais, d'une taille... Il paraît grand comme ça, mais au final, à l'intérieur, vous savez, c'est... C'est les petits anneaux comme ça, c'est pas les gros classeurs où vous avez la barre à refermer, etc. Donc il est plutôt d'une taille moyenne. Au final, j'ai toujours besoin de classeurs pour trier un petit peu bah, les programmations, etc. Mais aussi toutes les activités, les fiches d'exercice que je vais garder aussi. Je me suis aussi racheté un compas parce que j'avais cassé le mien, du coup il m'en fallait un. Je me suis aussi racheté une paire de ciseaux parce que j'avais envie un petit peu d'un truc un peu plus confortable. Vous voyez, ils sont un petit peu plus mous et tout, et apparemment ils sont très très bien. Je me suis aussi racheté un scotch, vous savez, en rouleau comme ça, je n'avais plus, du coup il va aller directement sur mon bureau et ça c'est pareil, on en a toujours besoin. Enfin, le dernier achat que j'ai fait pour la rentrée, et là je suis très très contente parce que ça faisait à peu près 2 ans que j'en cherchais un et ils étaient toujours beaucoup trop chers et tout ça. Et là quand je suis passée à Bureau Vallée, j'ai vu cette merveille de sac, franchement je suis trop trop contente. Il y a une poignée ici, vous pouvez le prendre à la main, il y a aussi une petite bandoulière. Je sais pas si vous allez bien voir si je vous montre l'intérieur, mais il y a trois pochettes différentes, donc deux grandes. Ici vous pouvez mettre voilà l'ordinateur, les manuels, enfin tout ce que vous voulez. Et devant après il y a une autre petite pochette où moi personnellement je mets mon disque dur, etc. Ensuite il se ferme ici, je pense que vous avez déjà vu ce genre de cartable, donc avec un petit clic ici. Comme je l'ai dit au début, c'est un sac ouverture qui est garanti 2 ans et je l'ai payé 56,99 €, donc franchement pour un cartable de cette qualité qui est en plus garanti 2 ans, franchement je l'ai pris tout de suite. En tout cas si ce sac vous intéresse, je vous mettrai le lien dans la barre d'infos, comme ça vous aurez plus qu'à cliquer dessus. Et franchement je trouve que pour 56,99 €,
Il a l'air d'une qualité de ouf, garantie 2 ans, enfin vraiment top, donc je suis très contente. Donc voilà tout le monde, cette vidéo est terminée, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à me dire toutes vos impressions en commentaire. N'hésitez pas aussi à me suivre sur Instagram et sur Snapchat où j'essaye de partager un max de trucs, autant sur mon métier que sur ma vie en général, quand je suis en vacances, quand je fais plein de trucs. Donc voilà, n'hésitez pas à me suivre sur ces deux réseaux sociaux là, et moi je vous dis à la prochaine fois dans une nouvelle vidéo. Bye!